Salut tout le monde, bon, je vais faire une petite vidéo comme ça, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à la douane à Oman. Voilà, j'ai donc, vous savez, quand on passe la passe-frontière, vous avez passé ensuite les objets et tout ce qui est métallique, vous devez le mettre dans un bac et faire passer ainsi, pour voir s'il y a rien d'autre qui pourrait faire sonner les systèmes d'alarme. Bon, c'est une consigne de sécurité, c'est comme ça, dans tous les aéroports. Et j'arrive, et voilà, c'est pas que, il y a un douanier, à Oman, qui voit ça, il fait, eh vous, hein, c'est quoi ce truc-là? Il trouve le bon porte-clés, il dit, bah, c'est mon porte-clés. Non, non, ça là. Il se trouve que j'avais ramené un souvenir de Sarajevo. C'était une douille, d'une arme, qu'on avait transformée en balle, en porte-clés, c'est une balle, quoi. C'est incroyable, j'ai dit, merde. Ouais, elle a été désactivée, il n'y a plus de poudre. Donc, oui, il faut vraiment voir ce que c'était à peu près une balle. Voilà. Et j'avais enlevé le dessus. Il n'y avait plus de poudre, il n'y avait plus rien, bref. C'était un stupide porte-clés. Et le gars, il voit ça, il dit, non, vous enlevez ça. Ben, c'est qu'une balle. Il n'y a plus rien, elle est désactivée, il n'y a rien. C'est un porte-clés, maintenant. Non. Putain, non, rien à faire. Oh, je le crois pas. Il m'a obligé à retirer un souvenir de porte-clés. Oh, bah merde, parce que soi-disant, ça pouvait. Alors que c'est plus qu'une cartouche, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Bah non. Eh bah voilà. Donc, c'est pas ma première aventure avec les douaniers, mais j'en ai des tas d'autres. Ne vous inquiétez pas, je vous raconterai tout ça. Et voilà, comment j'ai perdu un souvenir de Sarajevo. Bah, il reste plus que ça. Un symbole de l'armée bosniaque. Voilà. C'est tout ce qui me reste. Voilà. Tant pis. Merci à vous. À plus.